Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Trekking Through History. Mais Oli, recule un peu là, la route, je pense qu'elle est un peu courte pour atteindre les 88 miles à l'heure. Mais là on va Willow, on n'a pas besoin de route. C'était vachement haut, hein. Ouais, c'est... Et moi, j'aurais besoin de mail. Je suis à fond. Je vous le dis de suite. Retour à le futur, c'est ma trilogie culte ever. Elle ne sera, à mon avis, jamais détrônable dans mon cœur. Jamais. Elle m'a fait rêver, cette trilogie. Elle me fait toujours rêver du haut de mes 50 ans. Donc, ça sera toujours ma trilogie préférée. Mais je pense qu'elle est dans le cœur de beaucoup d'entre vous aussi. Yes. Et donc, ce soir, on va faire un retour vers le passé grâce à ce jeu Trekking Through History de l'éditeur américain Underdog Games et qui est distribué en France par Asmodée. On peut déjà dire que ben, c'est un coup de cœur pour nous, ce jeu familial. Mmh. Et en plus, c'est l'un des jeux les mieux édités qu'on a eu en main cette année. En tout cas, moi, je suis prêt pour partir à l'aventure, faire ce voyage dans le temps. Carrément. On joue. On est prêt. Waouh. À chaque fois, je suis trop content de nos installations. Parce que j'ai bien travaillé. Oui. Ouais, parce que j'y passe du temps pendant qu'elle est donc en formation. Donc je vois que les cartes sont déjà installées, donc t'as déjà fait ta stratégie? Non, j'ai pas fait ma stratégie du... Attention! Du tout. Bienvenue dans Trekking Through History, ce jeu où on va voyager avec une agence de voyage où on va voyager dans le temps. Mm-hmm. Et on va devoir réaliser un voyage ou des voyages les plus longs possibles, puisque plus on fera des voyages longs, vous le voyez au niveau des cartes ici, et le scoring sur le tapis de jeu, qui est un tapis en néoprène, hein. Et bien plus on marquera des points en fin de partie. Le jeu est très très simple, à tel point qu'on va jouer directement et vous expliquer les règles tout en jouant, ça sera comme d'habitude. Plus fluide, c'est ce qui est clair. Et donc pour nous, c'était une grosse attente, on vous l'avait dit quand on avait fait notre vlog à Cannes, ouais. Que ça faisait partie de mes attentes, moi, parce que ce jeu, il est issu d'un Kickstarter à l'origine, et je me suis un petit peu renseigné sur BGG, c'est pas qu'un seul jeu, ce Trekking Through History, c'est une série de jeux aux États-Unis où il y a un jeu qui est sur les parcs nationaux, un jeu qui est sur le monde, actuellement il y a même la suite de Trekking Through the World, donc à travers le monde, qui est en Kickstarter actuellement. Donc c'est nous, on a le premier d'une série en France. Si ça marche, j'espère qu'Asmodée nous sortira d'autres jeux du genre, parce que c'est hyper agréable. On a un très 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 beau matériel avec un insert, des petits jetons en plastique, rien en carton dans ce jeu, des cartes de grande taille tressées, et recto-verso, en plus à chaque fois qu'on a un événement avec une date, on a derrière... sa description rapide. De se divertir, de jouer en famille, à la fin de la partie, t'es encore plus intelligent qu'au départ. C'est vrai. Donc, franchement, la dernière chose que j'ai à dire sur ce jeu, c'est que il y a pas longtemps, là, les nominés au Spiel, au jeu de l'année en Allemagne, viennent de tomber. C'est Sur les traces de Darwin, c'est... Captain Flip et Sky Team. Et il faut savoir que ceux qui sont pas sur le podium, mais qui sont juste après, comme pour Last Door, on appelle ça les recommandations. D'accord. Dans les trois recommandations qu'il y a juste après les trois nominés en Allemagne, il y a ce Trekking Through History. Yes. Il y a Trio aussi, notre Last Door de l'année chez nous. Et il y a aussi Harmony de chez Libellude. Donc ça veut dire que on a le haut du panier des jeux familiaux actuellement. D'accord.
Et Trekking Through, Trekking Through History. Et ben, il fait partie du haut du panier, s'il fait partie donc de ces fameux, jeux recommandés au Spiel. Voilà. Je comprends pourquoi. Vous savez tout. On est parti. On a donc un tapis de jeu en néoprène. On a on a ici des petits cristaux temporels qui vont nous permettre de nous voyager un peu moins vite que d'habitude. Mmh. On a ici une grande horloge avec 12 heures. Chaque journée de voyage, pardon, va durer 12 heures et pas 24 heures. On va pouvoir voyager 12 heures sur 24. À chaque fois qu'on va finir un tour d'horloge au lit, on va passer à un autre jour de voyage. On changera le tas de cartes. Je vous les montre, elles sont derrière nos têtes. Et on passera à un tas numéro 2 et ensuite à un tas numéro 3. Okay. On va faire donc simplement 3 journées de voyage, le moins de voyages possible, les plus longs voyages possibles. Et on va voir à la fin de la partie qui va gagner. Il y a une part de chance, bien sûr, c'est un jeu familial, mais il y a quand même de la stratégie. C'est quand même un jeu où on peut ne pas jouer, on peut jouer de manière très cool, mais il y a quand même de la stratégie parce qu'on va récupérer différents petits pions expérience qui vont nous permettre ici sur nos plateaux itinéraires de débloquer des bonus et des points de victoire. Et donc, il va falloir essayer d'être un peu stratège à ce niveau-là. D'accord. Au début de la partie, on en a tiré au hasard. C'est ce que j'allais te demander. 4 chacun. On en choisit un, c'est ça ? On en choisit un pour démarrer la partie. Bah écoute, moi je vais partir sur quoi ? Oh là là, c'est bizarre celui-là. J'ai bien envie de partir sur un truc qui me donnerait très vite un cristal temporel. Ce qu'il faut. Il faut beaucoup de choses, hein. Écoute, moi, je vais partir sur celui-là, moi. Moi, celui-là. Je le place là où tu l'avais placé ? Ouais, c'est ça. Les autres, tu peux les remettre dessous si tu veux. Ok. Voilà. Donc, on choisit au départ. Ok. À peu près les mêmes ? Non, non, non. Ils sont tous différents. Je crois que dans la boîte, il y en a plus de 30, entre 30 et 40. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des petits numéros, là. Ouais. Et donc, il y en a un paquet. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Après, on va directement jouer. Au départ, on met les montres à gousset, donc aux couleurs des joueurs. Oli est rouge, comme d'habitude, je suis bleu. On les met en théorie au hasard. Là, j'ai laissé Oli au-dessus pour qu'elle commence la partie. Un gentleman. Ouais, je suis un gentleman. Depuis plusieurs lives, j'ai décidé d'être gentleman parce que ça me réussit. Je veux juste rebondir et de redemander à Enzmae, qui a dû le mettre tout à l'heure, mais je ne l'ai pas vu dans le chat. Je l'ai vu passer. Le pourcentage de ceux qui ont voté pour Willow ou Oli, j'aimerais bien que tu nous le remettes. 60% pour Oli. C'est vrai ? Enfin, c'est ce que j'ai cru voir passer. Allez, remets-le-nous, Enzmae, pour qu'on sache. Si... Et 50 pour Oli. Okay, enfin, merci. 60% pour Oli, ouais. Ça. Merci, Enzmae. Bon, bah, t'avais bien lu, 60% pour Oli. C'est très bien. Ça te fait un peu la pression, hein ? Comment se déroule un tour de jeu dans Trekking Through History ? Super simple. On récupère à notre tour une des 6 cartes visibles. La carte du dessus de la pioche, elle peut être récupérée aussi. En prenant une carte, on va démarrer un voyage. Alors bien sûr, il faut tenter de démarrer un voyage le plus ancien possible au niveau de la date. Pourquoi ? Parce que après, toutes les cartes qu'on va devoir mettre dans notre voyage devront être chronologiques, Oli. Devront donc être des années qui vont être après la première carte que tu auras récupérée. Il me fait toujours un petit rappel en même temps. Oui. Et donc... C'est bien. Pour réussir un voyage, il va falloir que les dates soient chronologiques. Si on n'y arrive pas à un moment donné de mettre une date chronologique dans son voyage, on va devoir arrêter notre voyage. Ou prendre une carte, je crois... Ou prendre une carte ancêtre. La carte W. Ancêtre va nous permettre de temporiser un petit peu, de continuer notre voyage. D'être dans l'espace-temps ? Un petit peu, et de récupérer différents bonus. À chaque fois qu'on récupère une carte, on récupère les bonus qui sont sur le tapis de jeu, et aussi sur la carte. Et comment on paye cette carte ? C'est très simple, on va payer en bas à gauche, en temps, et bien la carte, plus elle a de bonus, plus elle coûte cher en temps. Exemple, ici, ça nous coûterait 5 heures, donc ça nous ferait avancer de 5 unités de temps. Et donc, sachant qu'une journée de voyage, c'est que 12 heures, donc il va falloir tenter de maximiser un maximum les cartes qu'on récupère. Les petits cristaux temporels, à quoi ils vont nous servir ? C'est tout simple, on va pouvoir les défausser pour réduire d'une heure à chaque fois notre voyage temporel pour chaque cristal défaussé. Que de 1. Sachant qu'une carte devra toujours nous faire payer une heure de temps minimum. Ok. Vous savez tout, on peut démarrer. Ok. Donc c'est parti, donc on va voyager,
Enfin, je vais voyager parce que Willow m'a pris sa DeLorean et moi la mienne. Ouais, bon, écoute, moi je suis prêt à y aller. Mais on a Beston qui a offert un abonnement merci à Lilou, c'est Beston. Trop gentil. Avant que tu commences, Oli, peut-être, je vais simplement reprendre mon petit fascicule pour expliquer, pour dire ce que c'est. Comment ça s'appelle. Ça, c'est un bonus expérience personnage, le rouge. Les bleus, c'est de l'expérience événement. Les jaunes, c'est l'innovation. Okay. Le vert, c'est le progrès. Et ici, c'est pour récupérer un cristal temporel. À chaque fois Que je vais oublier. Hein. À chaque fois qu'on récupère un W, c'est Willow. C'est Willow. On récupère Willow. C'est un jeton expérience Joker qu'on va pouvoir mettre où on veut sur notre plateau itinéraire. Sur le plateau itinéraire, à chaque fois qu'on récupère des pions expérience, on va devoir les mettre dans la bonne colonne, bien sûr, en commençant par le haut. Plus on descend, plus on débloque des bonus. Mais à la fin de la journée, on va devoir défausser aussi. Merci pour ces abonnements offerts, merci Beston. On va devoir aussi défausser la carte itinéraire. Allez, c'est bon, maintenant tu peux partir, Oli. Allez, c'est parti. Allons, la route nous mène. Je vais partir donc en moins 1472. Bah, oui, c'est la seule carte qui est avec une année négative. La vôtre. Ah, trop bien. Oh, trop bien. Donc, de temps en temps, je lirai un texte, mais pas là. Non, j'ai pas envie. Ok. Donc, tu démarres ton donc, comme ça. Ton voyage. Ah, pardon, avant de prendre ma carte, ouais. Je vais récupérer d'abord les ressources. Ok. Un cristal temporel. Et tu vas récupérer un jeton expérience personnage. Personnage. Et j'avance de 2. Et donc, ça lui coûte 2. 1, 2. C'est ça. J'avance de 2 dans le temps. Ça voilà. Va, en plus, ça ne me fait pas trop avancer vite. C'est plutôt bien. Et on fait couler la rivière. On fait couler la rivière. Plutôt et là, cool. Vous avez vu un tour de jeu. C'est super simple. Hein. Oh, j'ai de la chance. Il y a un moins 221 qui vient d'arriver. C'est encore mieux. Moins 221. Parce que là, sinon, ça me fait commencer en 1230. Ouais. Mon voyage. Ouais. Oui, c'est intéressant. Par contre, tu gagnes juste un parchemin, je sais plus ce que c'est là. C'est un jeton expérience. Rien là. Et je me rappelle plus non plus. Mais c'est pas très grave. Événement, on peut dire jeton bleu. Jeton bleu. Écoute, moi je vais partir sur ce moins 200. J'ai noté. Moins 221, c'était quoi en 221 construire la grande muraille de Chine, quand même. En plus, chers ancêtres. Aidez-moi. Je ne voudrais pas faire un seul faux pas. Alors, moins 221, ouais. ça me rapporte rien au niveau du plateau parce que je l'ai pris à gauche sur le tas. Mais ça me rapporte quand même un joli token événement. Voilà. Je reprécise qu'il n'y a rien en carton dans ce jeu. Tout est en plastique. On dirait une édition Kickstarter. C'est vraiment une très belle édition ce jeu pour un jeu qui n'est pas très cher en plus. Et donc, on va le mettre sur le bleu en haut. Voilà. Okay. Il faut m'avancer de 2. Ah, tu seras 1, 2, au-dessus de moi. Et ce qui veut dire que, dans ce jeu, il n'y a pas d'ordre de tour. C'est toujours celui qui est en retard au niveau des heures qui va jouer en premier. Ou celui qui est au-dessus. Là, en l'occurrence, ça va me permettre de jouer une deuxième fois d'affilée. Plutôt cool. Il y a Bruno Bell qui vient d'arriver. Merci d'être là, Bruno. Merci, Beston, aussi, pour tous tes abonnements offerts. Et je vois aussi qu'il y a Anonymous Ludique. Merci d'être là aussi, Anonymous. Alors, comme Tokaido, en fait, dit Argache, exactement, à chaque fois qu'on est en retard ou au-dessus de l'autre, on continue de jouer. Donc, c'est à toi. Donc, pas de chance. Bon, moi, j'aimerais avoir du vert pour avoir aussi... J'aimerais avoir du vert... Tu partirais sur quelle année? Ben moi, j'aimerais bien partir sur 1230, mais au niveau des couleurs, ça m'intéresse moyen, ça. là, il y a beaucoup de rouge. C'est moyennement intéressant aussi pour moi. Bon, je crois que je vais partir sur 1230. Hein. 1230? Je crois. Allez, 1230. 1230. Je récupère un bleu. Je récupère un jaune. Et j'avance de 3 unités de temps au lit. Est-ce que j'avance de 3? Ouais, j'avance de 3, allez. 1, 2, 3. Je continue mon voyage, on fait comme ça. On fait couler. Alors,
Du coup, ce qui s'offre à moi, ça sera intéressant celle-là. Ouais, c'est tout à fait ça, Argage. Pour avoir les bonus à droite de nos cartes, de nos plateaux itinéraires, il faut, comme tu dis, avoir toute la ligne pour avoir le bonus. Donc, ici, en l'occurrence, le 13, il faudrait que j'atteigne cette ligne-là au niveau du rouge, du bleu et du jaune. Un 13, c'est beaucoup, C'est beaucoup. 13 points, ça serait hein? vraiment beaucoup d'atteindre ça. Autant te dire que je pense que sur ce premier jour de voyage, Mais j'espère que tu l'atteindras je n'y pas, arriverai pas, sinon je je suis pense. mal. Ouais, je comprends. Je vais prendre la carte 1271. Suivre la route de la soie avec Marco Polo. Oh, Marco Polo. Punaise. Alors, ça te fait récupérer un bleu, deux rouges. Ah ouais, c'est super intéressant. Et Et un Willow. un jeton bonus. Je vous le montre. L'aime bien, chaque fois je dis ça. Voilà. Et ça, c'est oui, c'est un joker, je le mets où je Où veux. tu veux, mais toujours sur l'emplacement le plus haut d'une colonne. Hein. Oui. Toujours. Alors je vais mettre bas sur ici. Il manquera qu'un vert pour faire 5 points déjà. Et t'avances, ta montre à gousset Alors, de 4, mais je vais pas avancer de 4. Elle a droit de réduire la durée Ouais. en heures de son voyage en dépensant des cristaux temporels. Je vais avancer de 3. Donc, tu dépenses un cristal et ça te fait avancer que de 3 heures. 1, 2, Et 3. ça te fait rejouer ça. Et Et donc je place mes cartes comme ça, oui. oui, c'est ça. C'est Et je tout. fais couler. C'est tout à fait ça. Voilà. C'est très bien. C'est très Ça va? bien. J'ai rien C'est oublié? très bien. Il y a juste ça qui est pas droit. Voilà. Mais à part ça, t'es nickel. T'arrêtes? J'arrête. Alors, qu'est-ce qui m'a... Donc c'est Bon. encore à moi de jouer? Non, avant que tu commences, tu continues de jouer. Quoi? Au début de notre première journée de voyage, j'avais envie de te mettre un peu dans l'ambiance et j'ai oublié de le faire. Alors je le fais. Allons-y! Bon, Ça excusez-moi. donnait envie de faire un ralenti. Ouais, mais. C'était plus fort que moi. Ah là là, excusez-moi, Mon c'était. corps y réagit comme ça. Nom de Zeus. Nom de Zeus, ça nous met dans l'ambiance. Ah oui. J'étais obligé C'est trop de nous bon. préparer des petites jingles comme ça. Dès que j'aurai. Tu sais, quand on avait fait sur Twitch la dernière fois, ça a été coupé le son. J'ai vérifié. Oui, mais parce que c'était un peu long. Et voilà. C'était un peu Faut pas être long. trop gourmand parce qu'après on est, comment on dit, striké. Ouais, c'est ça, il faut pas être trop gourmand, il faut y aller. Ah, il y a la police. Mais c'est lui. Excusez-nous. Ouais. Excusez-nous. Allez, c'est encore à toi Excusez-nous, on est des artistes. de jouer. Et les Et on artistes, aime ce qui est beau. il faut les laisser s'exprimer, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, tu m'as bien perdu dans le temps. J'ai bien assuré, là, Ouais. hein. Et ben, ce qui serait intéressant pour moi, c'est la 1385, 85, c'est celle qui est chronologique dans ta frise de temps, mais est-ce qu'elle t'intéresse au niveau des Elle bonus? me donne que du bleu. C'est vrai que j'ai besoin de jaune et de vert. Ouais, C'est chiant, hein? c'est cher Trop et cher. trop cher, ouais. Ah, ben là, 1. Oui, mais ça me fait trop avancer vite. Il n'y a rien après. Non, mais je vais suivre le temps. Allez, Je donc suis... tu suis ta chronologie? Ouais. Du coup, je gagne 2 bleus. Le bleu. Uno, dos. Je sais pas si je fais bien. Ah, je gagne Un cristal un cristal temporel. quand je le pose dessus. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Et je vais en utiliser un pour avancer, je pense que de 2. Alors, il faut que tu utilises un que tu avais déjà. Oui, Hein. j'avais déjà. Alors, c'est bon. 1, 2. J'ai même pris celui que j'avais déjà. Ok, Pas très celui que bien. j'ai touché. Ouais, tu peux pas utiliser le cristal temporel que tu gagnes Bien sûr. à l'instant T. Tout à fait, c'est bien de le préciser. Je l'ai relu. Alors moi, là, c'est marchander au Grand Zimbabwe, en Ah ouais, Afrique. c'est ça, au Grand Zimbabwe. Acheter une statuette d'oiseau en stéatite. Ah, je ne sais pas ce que c'est comme matière. Ah, moi non Et plus. essayer de vous frayer un chemin à travers la cohue du Grand Zimbabwe. Il Eh ben dis donc. y a d'autres textes après. Mais donc, à Ok. chaque fois, il écrit un petit truc. Marco Polo aussi, ça devait Je être te dis qu'on intéressant. va être hyper intelligent Moi, après j'aime bien avoir. l'Afrique. Oh là là! Je viens de révéler une carte qui est en moins Oh 37 000. Alors ça, pour waouh! commencer un voyage, c'est vraiment top On l'a ça. jamais eu celle-là. Hein. Moins 37 000. Laisser une empreinte de main à quoi?
Amaros. Pompée? Je pense que c'était un homme préhistorique connu. Ah, moi, je pense que c'était au moins ça. Mm. Hein. Bon, je suis en 1230. Qu'est-ce que je Enfin, fais? regarde. Qu'est-ce que je fais? Faudrait que j'aille là. 1587. Puis avec des mots, on est mal après. Mais par contre, j'aurais aimé avancer que de 2 pour rejouer. Mais là, ça me fait avancer de 5. Ah, alors que là, ça me fait avancer que de D'accord, 2. un cristal. Hein. Alors, ça, c'est pas mal. Attends. Non, non, des bleus, j'en veux plus des bleus. Laisse-moi un peu réfléchir. Non, le temps est limité. On fait un top chrono, s'il vous plaît, top chrono. On a droit à une minute de réflexion. Ça m'énerve. Ça m'énerve un petit peu. Bon. Allez, je vais partir sur 1587. C'est pas grave, 5. Est-ce que tu utilises 5 temps? Non, je vais utiliser 4. Ouais, parce que ça fait Je chaper. vais défausser un cristal et je vais récupérer. Alors, du vert, Du bleu. du bleu, Un Willow, un W. un W et un cristal. Donc tu avances de 4, hein, tu m'as dit. J'avance de 4. 1, 2, 3, Assister à 4. la cérémonie du thé du grand Kitano. Voilà. Je fais couler. Le temps n'est pas limité, il y a la DeLorean, il dit Serval. Alors donc, je vais d'abord mettre le vert ici. Je vais mettre le bleu ici. Et donc, le Joker, je vais le mettre où? Je vais le mettre au niveau du vert. Pour récupérer tout de suite un cristal temporel. Ça pourra aider. Alors, le problème c'est que ça me fait avancer vite, un peu vite dans le temps. Ouais. Ce qui serait intéressant, c'est que je prenne celle-là, 1690. mais celle-là est encore plus intéressante par rapport au bonus. C'est clair, et ça te fait avancer que Ouais. d'un. Donc du coup, je vais prendre celle-là. T'as du vert, t'as du jaune. Impeccable. Ça va me faire gagner, regardez bien. La route? Là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Et oui, Gengis, bien sûr qu'on n'a pas besoin de route. D'ailleurs, ça a été notre intro. Ça a été notre intro sur YouTube. Je ne sais pas si tu l'as Oui. vu tout à l'heure, mais tu pourras le voir en re-regardant cette vidéo. Oui. Sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un petit pouce. Ça faisait Ouais. un peu truc Ouais, américain. tout à fait, ouais. C'est la pause publicitaire. Donc, je gagne 5 points. T'as réussi à faire cette ligne? Voilà. Ah ouais! 5 points. Eh ben dis donc, tu ouvres le score, tu es rouge, pardon, tu as 5 Et points. je vais réussir à mettre aussi le jaune ici. Et donc, il y a marqué 3. Mais non! Et je gagne 3 points. Mais non! 8. 8-0. Et j'avance de 1. Et c'est encore un mot de jouer. Oh, bingo loto. C'est quoi cette réflexion? Je suis pas bien. Bon, après, il n'y a pas de... y a plus de chiffres qui m'intéressent. Ok. Il n'y a plus de date, pardon. C'était quoi? Envoyer un message par sémaphore. Et oui, mais je te dis, on va en apprendre des Ouais. trucs avec ce jeu. Enfin, ça me donne envie de les lire, mais... Bon. Après, c'est son temps à lire. Bon, En live. attention, Enfin, je les lis dans mon lit. tu dois continuer à jouer. Alors, il faut savoir un truc. C'est que quand on atteint la case 12 en haut ou Ici. qu'on la dépasse, on s'arrête obligatoirement de toute manière sur la Ok. case 12. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que si on est ponctuel, comme vous le voyez en haut de l'horloge, eh bien, on a un bonus de ponctualité de 3 points. Mais sinon, si ce qui est intéressant, si on arrive par exemple une case avant la 12e heure et qu'on prend une grosse carte de 5 par exemple, eh bien, on ne va pas payer 5, on ne va pas dépasser les 12 heures, on va s'arrêter à 12 heures. Tu vois, donc, des fois, le bonus de ponctualité, c'est intéressant à prendre, des fois, non. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre la carte Joker, la carte espace-temps, je ne sais pas comment elle s'appelle. Ancêtre. Ancêtre, pardon. La carte ancêtre, il n'y en a que 6 quand on joue à 2 joueurs. Ah non, j'ai la 1800 aussi. Ouais. Je l'avais pas vue, pardon. Ah d'accord, bon, je vais quand même expliquer la Oui, carte vas-y, ancêtre. explique. Cette carte ancêtre, elle nous permet de continuer notre voyage même si on n'a pas de carte qui nous intéresse chronologiquement. Elle coûte 3 unités de temps et elle donne un W, c'est-à-dire un jeton bonus. C'est tout. Eh bien, tu sais quoi? Tu vas prendre 1891? Ouais, 1891, Eh oui, je je pense que comprends. c'est plus intéressant que les ancêtres. J'avancerai de 4. 1, 1, 2, 2. 3, 4. Je finirai, je vais Ouais, finir. tu auras ton bonus de ponctualité. Voilà, bonus de ponctualité, il y a marqué ponctualité, pardon, 3 points. 1, 2, Parce 3. que je suis arrivée pile à l'endroit. Pile à la fin des 12 heures. C'est ça. Du vert.
du rouge, du jaune. Et un joker. Et un joker. Wow. Et un joker Willow. Et t'as super bien assuré sur ta première journée de voyage. Hein. Donc là, regarde, je vais placer le jeton jaune, plutôt ocre de jaune. Ouais. Et je vais gagner ici 7 points. C'est pas possible. Elle a fait très fort. Oui, il faut que je sois pas là toute la journée. 11 et 7, je 18. Enfin, pour l'instant, je ne crie pas victoire, on ne sait jamais. Ouais, 18-0, ça fait quand même très mal. Ensuite, je vais poser le rouge. Ouais. Ici, je gagne encore un cristal temporel. Et mal. Ah, en plaçant le rouge, j'ai 2 points, je n'avais pas vu. 2 points ici. Pourquoi? Bah, j'ai fini ma colonne, là. Non? Non, non, il faut que tu ailles sur le 2. Pour gagner les 2 points. Ah, puis j'ai là. Ouais. T'es sûr? Parce que là, je vais pas sur le jeton. Oui, mais t'as la ligne, Dolly. Non, mais je pars d'une colonne. Oui. Ça, c'est un emplacement où tu dois mettre un jeton. Comme ça. Ouais. C'est ah, ça. D'accord, je savais pas. Ouais. Eh ben, 2. 2 points. Bah, tu pouvais même mettre le jaune. Ah oui. Pour avoir 3. Ça marche aussi. Ouais, ça marche aussi. Ah, je pensais que ça se faisait automatiquement, tu vois. Non, non, il faut être dessus. T'es sûr à 100%? Oui. Tout le monde est d'accord avec lui? Ok. 3 points? Bah oui, c'est mieux 3 que 2. Alors, 18 et 3, 21. 21-0, je prends... Et je fais une petite pause voyage. Je prends une sacrée décolletée. Attends, t'as pas fini ton voyage dans le temps, toi? Oui, mais 21-0 quand même. Hein. Vous avez un message urgent? Pas besoin de coursier à cheval avant le télégraphe. Il existait déjà le sémaphore. Je suis sûr que vous connaissez certains. Moi non. Moi non plus. Je suis désolé, moi non. Tu mets ta carte? Oui. Et là, c'est visiter le laboratoire de Tesla. Alors, ce que je vais faire, c'est vraiment pas génial parce qu'il n'y a aucune date qui m'intéresse à part 1690. Donc, je vais être obligé de la prendre. Si je la prends et que je prends pas que j'utilise pas du cristal temporel, je vais pile poil sur les 12 heures. Donc, ici, ouais. Donc, j'aurai un bonus ponctualité de 3. Mais j'aurais bien aimé rejouer une carte. Je ne sais pas ce qui se cache derrière cette carte 49. Donc, je vais prendre cette carte pour prendre un rouge, un vert et un cristal temporel. Tout à fait. Au lieu d'avancer de 3 et finir ma journée, peut-être, et bien peut-être, que je vais utiliser un cristal que j'ai déjà pour avancer de 2 que de 2 et pas finir ma journée. Ok. De voyage, ok. On va tenter de faire comme ça. Je tente le coup. Tu l'as jeté ton cristal? Oui, je l'ai jeté, okay. Oui. Donc, je mets ce verre ici, ça me fait gagner 5 points. Et ben voilà. Allez, 5 points. C'est parti. Ça va déjà mieux. Et je mets ce rouge ici. Je prends cette carte. Philosopher avec John Locke sur les révolutions. Et maintenant, prions pour qu'il y ait une date qui arrive après 1690 dans... Ah non. Ah mince. Oups. Bon, t'as la carte ancêtre, la carte joker. Ah mince. Chers ancêtres, aidez-moi. Donc là, si je veux continuer mon voyage, je suis obligé de prendre une carte ancêtre ou stopper ce voyage qui me rapportera 1, 2, 3, 4 cartes à la fin de la partie que 4 points. Et repartir. Et c'est pas terrible du tout. Il faut choisir. Soit tu repars, soit tu as un joker. Ouais, je vérifie ce que je fais. Si je repars avec le moins 37 000, ça peut être pas mal. Ah ouais, là t'es large. Hein. Le problème, c'est que ça me donne du vert et j'en ai pas besoin. Ça fait pas cumuler de points. Ah, c'est quand même très dur ce qui m'arrive. Je commence pas très bien. Je suis sûre que t'as choisi cette carte parce que t'étais attiré par le 13. C'est ça la gourmandise des points. Faut pas être trop gourmand. Ah, c'est pas vrai. En plus, il n'y a aucune carte qui est... Ah, ça c'est un jeu coûte... site aussi. Le site. Le site, pardon. Le site, jeu. Site. Oh, le laboratoire de Tesla, comme dans le jeu site, dit Dianis, trop bien. Ouais, 1891. Je sais que Sight, c'est l'un des jeux préférés de Genghis. Ouais. Bon, excusez-moi, je prends du temps. Ouais, bah écoute, j'ai temps de lire. Hein. Allez, vas-y. Hein. Non, c'est bon, je vais jouer. Ça, je lis toutes les cartes. Hein. Allez, Willow. Écoute, je pense que je vais prendre une carte... Une carte ancêtre. Allez, ancêtre. Et je vais pas utiliser de... Je mets les couleurs. Je vais pas utiliser de cristal temporel. Oli. Pour avancer de 3, mais toi tu vas dépasser, enfin tu dépasseras pas, mais... Et donc je vais pas être ponctuel, je vais pas prendre les 3 points. T'auras pas les 3 points. Mais je vais pas utiliser de cristal temporel pour les utiliser pour mon deuxième jour de voyage, ok? Pour la prochaine. Donc,
Je mets ça ici. Je continue mon voyage. Comme si cette carte était à la même date que ma dernière carte jouée. Ça me donne un jeton bonus que je peux poser soit sur le rouge, soit sur le jaune. Je vais le mettre sur le jaune. Ah oui, ça te fait gagner 2 points. Ça me fait gagner 2 points. 5, 6, 7. 21 à 7. Je me fais vraiment, vraiment avoir pour le moment. Mais on termine notre première journée de voyage. Ça mérite une musique. Ah ouais, ça mérite une petite musique parce que là... On repart ? On repart pour une deuxième journée de voyage. Yes ! Let's go ! C'est reparti ! Tout mon corps essaie de me maîtriser, hein, croyez-moi. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin d'une journée de voyage ? Eh bien, on récupère un deuxième tas de cartes qu'on a bien mélangées au préalable. Et on va devoir, par contre, défausser notre plateau itinéraire. On ne va pas pouvoir continuer à le faire, puisqu'on a un plateau itinéraire à chaque journée de voyage. Donc, vas-y. Hop, on défausse. Derrière, je sais pas. Et ça, c'est scampé. Ouais, tu peux le mettre à l'envers sous ton tas de... Ok. Et on en choisit un autre. On en choisit un deuxième. Ok. On en a 4. Il y a 3 journées de voyage. Il y en a un qu'on n'utilisera pas. Mm-hmm. Chou, ça. Pas facile. Alors. Il n'y a que des petits chiffres, là. Oh là là, chelou. Oh, je vais prendre ça. Simple. La simplicité. Je prends celui-là. Par contre, d'une journée à l'autre de voyage, si on peut continuer à notre voyage, chronologiquement, bien sûr, on peut bien sûr continuer notre voyage. Mais on est obligé, à chaque journée de voyage, de changer notre plateau itinéraire. D'accord. Comme je suis le dernier à être arrivé, je suis au-dessus de toi, je peux donc être le premier à jouer sur cette journée de voyage. Il me faudrait quelque chose qui est après 1690. Bon, il y a un truc. Je vais le prendre pour continuer mon voyage, pour tenter de faire les plus longs voyages possibles. Mais bon, il y a du mille, il y a du moins 2006, il y a du moins 3005 pour attaquer un voyage, c'est génial. C'est quand même génial. Allez, donc tu continues ta ligne, c'est à toi. Hein. Ouais, je continue. Je vais prendre débarquer sur les îles Galapagos avec Darwin. Oh, ouais. Avec Darwin. au lieu d'avancer de 3, je vais avancer que d'un. Je vais me défausser de 2 cristaux. Ok. D'accord ? Bien joué. Donc, je vais récupérer un rouge, un jaune, une innovation, et un cristal. Et un cristal. Continue mon voyage. Ah là 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 là. J'espère qu'il y aura quelque chose d'intéressant si je continue ou pas. Aïe aïe aïe, il n'y a rien pour moi là. Il n'y a rien pour moi. J'ai pas envie, du coup, je sais pas si je prends des ancêtres ou pas. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, ça me ferait 7 points. Pas énorme. Hein. Un voyage de 5 cartes, ouais, 7 points. Ça serait bien de commencer à faire des voyages de 6, 7 cartes, ça serait vraiment bien. Bon, t'es vachement en avance quand même. Ouais. Je sais pas. Je vais repartir, je crois. Tu repars pour un nouveau voyage ? Parce qu'il y a quand même un moins 3500. Ah, c'est top, ouais. Moins 2600. Je vais prendre... C'est quand même bien top. Le moins 3500. Inventer la roue. Ouh. Carrément. Carrément bien. Bon, est-ce que tu utilises des cristaux temporels ou pas ? Quand on arrête une colonne, on ne gagne pas des points quelque part ? Non, non. Okay. En théorie, la règle dit qu'on prend nos cartes, on en fait un tas et on le retourne sur le côté de la table. Ah. Moi, j'aime bien personnellement... De laisser visuel Laisser le voyage en place, visuellement, et d'en attaquer un autre à côté. Mais ça, c'est... D'accord, c'est personnel. C'est très personnel, voilà. Mm-hmm. La règle dit, voilà, vous empilez votre tas de cartes, vous le retournez, et à la fin de la partie, vous allez calculer les points de chaque voyage. Ok. Donc, 3500, moins 3500, t'attaques un nouveau voyage ?
Oui. Alors, donc, tu as du bleu, tu as du jaune, Et du vert. du vert. Est-ce que tu utilises des cristaux temporels pour Oui. avancer de moins de que 4? J'ai avancé que de 2. Que de 2. Un, deux. Alors, j'ai fait exprès d'avancer que d'un parce J'ai bien que je compris. savais que tu allais avoir du mal à avancer que de 1 Pour rejouer. pour jouer. Je gagne un cristal, s'il te plaît. Parce que Un là. cristal. Merci. Et je passe inventer la grande roue. Pas la roue, hein, toi. Pas la Ouais. grande Ah roue, oui, hein. là. Parce que la grande roue, c'est à la C'est la bonne. fête foraine, À la c'est fête ça? foraine. Vous lui confond tout. Faut vraiment Oui! que je lise les cartes. Oh, je tombe sur une date qui m'intéresse, mais il n'y a pas de nus en dessous, mais c'est quand même pas mal. Ah. 1905. Ah non, c'est pas là, pardon. Un nouveau voyage. Oh, c'est pour ça qu'on les range. C'est pour ça. Mais moi, j'aime bien. En plus, c'est très visuel, c'est coloré. Les cartes, je les trouve superbes. À l'écran, sur notre jolie table anthracite, ça rend vachement bien. C'est vrai. Donc voilà, ne gâche pas mon Oui, plaisir. pardon, pardon. Elle est redoutable ce soir, Oli. Ouais, je sais, Argache. Allez, je vais choisir de partir avec notre ami. Je vais partir là. Je vais partir là. Il n'y a pas de bonus en dessous, malheureusement. Un rouge, un jaune. Est-ce que j'utilise un cristal temporel pour n'avancer que de 2? Là, pour le coup, c'est pas forcément très intéressant parce Non. que je vais dépasser Oli. Donc non, tu me fais avancer de 3, Oli, s'il te plaît. 3, 1, 2, 3. 1905. Je pose un rouge, je pose un jaune qui me fait avoir un cristal temporel. Très bien. 2, c'est toujours très bien. 3, c'est mieux. C'est à toi. C'est à moi. Donc je suis large, hein, du coup, au Il niveau me faut du ces temps. 10, il me faut ces 10 points à tout prix. Là, t'es très très large. Ouais, j'ai vu Genji qui chantait Voyage, voyage, j'ai trop envie de la chanter là. Non. Voyage, Mais voyage, le non, marqué là. on est Plus loin dans. que la nuit et le jour. Là, Voyage. tu m'as cassé mon trip Bah, retour à attends, futur. c'est Genji qui meurt des trucs comme ça On est dans aussi. un trip back to the Oui. future. Et bah, dans le bac, on peut aller dans les années 80 Ouais, c'est vrai, c'est vrai. et rencontrer c'est qui la Voyage, voyage, la chanteuse? C'était Désirless? Désirless. Désirless? J'allais Merci. dire, pourvu que je dise pas de bêtises Ouais, encore une fois. c'était Désirless, voilà. Désirless. Bon, ok, elle avait des cheveux à l'époque. Maintenant, elle n'en a plus. Merci, Maintenant, elle a la Arga. coupe à Gingis. Il y a Willow. Presque. Mais ça lui va très bien. Alors, Alors, du coup, arrêtons de parler actualité. ben toi, t'es tranquille là, Mais je suis punaise. tranquille. T'es tranquille. Tranquille, j'ai envie de prendre ça, je Ben crois. ouais. Ah oui, ben oui. Comment c'est génial. C'est génial. Ben ouais. Je prends jouer au sonnet avec les Égyptiens. Waouh, c'est un jeu de société égyptien. Punaise, mais c'est un vieux jeu de société, ça. C'est l'un des premiers, j'en suis sûre. Ouais. À l'époque, ils avaient. Jouer au sonnet avec les Égyptiens. La chance vous sourira-t-elle lorsque vous prendrez place pour jouer? Le sonnet, l'un des plus vieux jeux de plateau au monde, séduisait même les pharaons. Des exemplaires furent retrouvés dans certaines sépultures afin que les morts puissent en profiter dans l'au-delà. Waouh! Ben quand même, hein. Ils jouaient même dans Ouais. leur Bon, il y en cercueil. avait un jeu à l'époque, il n'y en avait pas 1000 par an comme qui sortent hein, comme aujourd'hui. Hein. Donc, j'utiliserai mes deux temps Ah oui. et je gagnerai Un. un bleu et un jaune. Donc un, deux. Un jaune et un bleu, ok. Donc et tu vas rejouer. Voilà. Ça me fout bien les Le bleu boules. va me faire gagner 2 points. 2 points. Et je vais placer le jaune qui me fera gagner un cristal. Alors, ce soir, elle est redoutable. Après, je. Elle est redoutable. Mais bon, c'est un jeu familial, il faut savoir qu'il y a un facteur chance, on est d'accord? On est Un d'accord? facteur chance. J'ai Il bien choisi mes cartes. Toi, tu as choisi des cartes un peu plus dures, y a peut-être un bon, il y a un pour bon, cumuler il y des a un bon points. facteur chance, je te le dis. La chance, la chance. Punaise, 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 punaise. Je suis pas bien. Non, Ça va? Tu te sens pas bien? je suis pas bien. Mais j'accepte, j'accepte. J'assume. Serval qui dit se faire enterrer avec sa ludothèque. Ils avaient tout C'est compris. ça. Excellent. Alors, du coup, c'est encore à moi de jouer puisque je suis dessus toi. Et je vais prendre. Jusqu'à présent, à Argache, les parties, elles coulaient toutes seules. C'était bien à chaque fois. Je lui mettais je sais pas combien de points là. Et ce soir, en live là, pas ce qui se passe. Bon, il me faut du rouge et du rouge. Beaucoup de rouge, moi. Ou celle-là m'intéresserait? Ben oui. Ouais. Ben oui, ce serait le plus logique Ouais, pour le plus toi logique, ouais. Bon, allez, de je vais continuer là. en En 520. moins 520. Oui, pardon. Gagner en sagesse grâce à Confucius.
Confucius. Eh ben oui. Wow. C'est un grand sage. Ouais, j'ai besoin, c'est bien. C'est un grand sage. J'aime bien la sagesse. T'avances de deux? J'avance. Attends, je sais pas si j'utilise un. Un cristal ou pas? Hop. Et là, hop. Tu peux pas utiliser tes deux, hein. Tu peux en utiliser oui, qu'un maximum. Oui, bien sûr. Bah, T'avances que d'un? Oui, que d'un. Allez, t'avances que d'un. Allez, j'ai pas envie d'aller trop vite. C'est bueno. Aïe, 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 je ne peux pas continuer. Mmh. N'inflige pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Et souvent, tiens, je n'arrive jamais à le dire, ce truc. Le sage chinois. Intéressant. Bah oui, mais des fois, on est obligé de s'arrêter, hein, et de repartir de plus belle. Ou de... Tu peux reprendre aussi une carte d'ancêtre. Embêté, hein. Je suis embêté. Il faudrait que j'avance que d'un. Merci rival.fr. Rival.fr. Rival pour le follow, merci beaucoup. Écoute, je vais reprendre une carte ancêtre pour continuer mon voyage parce que j'ai envie de faire un voyage long parce que je suis vraiment en retard au niveau des points là. Oui, tu gagneras plus de points si ton voyage est plus long. Ouais. Je vais utiliser mes deux cristaux temporels. Au lieu de payer 3 unités de temps, je vais payer qu'une heure pour pouvoir rejouer. D'accord? C'est pas très bon que si tu rejoins. Je veux pas t'aider, mais. Parce qu'il n'y a rien qui t'intéresse en fait. T'aurais dû attendre que je prenne une carte. Ouais, c'est vrai. Ça te dérange pas que je revienne sur, mon, sur ma décision? Bah non. Ça me dérange. Bon, je voulais pas t'aider. Ah, ok, bon, c'est pas grave. Mais je te le dis, c'est pas un, mauvais, c'est pas un bon plan. Je prends juste un jeton bonus que je vais mettre sur le vert. Pas gentil, Oli. Est-ce que je vais mettre sur le vert? Attends, parce que je vais rejouer et je vais regarder ce qui m'a que je vais prendre okay. comme carte. Et tu seras obligé de reprendre ça? Ou de passer. Non, je vais faire un autre voyage. Ah ouais, voilà. Ah, c'est dommage, tu aurais dû me laisser jouer. Non, c'est pas grave. Je vais commencer un nouveau voyage. Je rejoue, comme je suis au-dessus de toi. Oui. Je vais arrêter ce voyage. Ok, c'est vrai. Et je vais repartir en moins 400. Ok. Ça me fait avancer de 4. C'est un peu exagéré. Ah oui, t'as plus de questions. Ouais, 1, 2, 3. Aïe, aïe, aïe. Mais ça me fait gagner du bleu. Ah, t'as de tout là. Du jaune. Et du bonus. Ah, c'est bien. Donc le jaune. Ah, le ça bleu, va te faire gagner 10 points. Et le bonus, je le mets sur le vert là. Ah, ça me fait gagner 10 points quand même. Ah là là. J'ai 7 et 10, 17. 17 pour Willow. Ouais, t'as 23 quand même. Hein. 17, ouais, 23. Faut pas que je m'en donne dans, sur mes lauriers. C'est un bon sort du Portugal de rival. Alors ça, tu peux dire quoi? Ah, bon dia. Non, bon dia, c'est le bonjour. Eh oui, mais je ne sais pas dire bonsoir. Ah, je ne sais pas dire bonsoir. Et je sais dire, damien Beijing. Damien Beijing. Elle sait dire que ça. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Et ben, écoute, bienvenue à toi. Bienvenue sur le chat du Portugal. Ça fait, ben, ça, c'est, eh c'est oui, international. Ça fait plaisir. International, ça fait plaisir. Oui, oui, oui. J'ai attaqué un nouveau voyage. Boitarde. Boitarde. Ben, je ne savais pas. Merci pour le cours de langue. Boitarde. Ça ressemble un peu à l'espagnol, hein? C'est... Non, pas trop. Merci. Bon, écoute, moi, je chassais avec les véritables Amazones. Ça, c'est trop cool. C'est des guerrières. Alors, rejoignez ces fabuleuses guerrières et préparez-vous au combat. Dans la Grèce antique, certaines histoires évoquaient une société militaire composée uniquement de femmes dans ce qui serait la Russie actuelle. Ces histoires sont certainement exagérées, mais les archéologues ont découvert dans cette région des tombes contenant les restes de femmes qui ont visiblement combattu. Qui chassaient et qui montaient à cheval comme les hommes de leur époque. Les Amazones. Un grand respect pour les Amazones. C'est alors. À toi, mon Oli. Alors, moi, il me faut du rouge et je peux prendre celle-là. Et oui. Qui serait super intéressante pour moi. Ah, c'est clair qu'elle est intéressante pour toi. Super top. Mais ce soir, je prends cher. Du coup, je prends deux rouges. Oui. Un jaune. Et j'avance de... Bon, 2, 3. Allez. 1, 2, 3. Oh, elle rejoue en plus. Je sais pas si ça... Ça se passe bien pour toi ce soir? Ça va. Et regarde, je vais gagner 7 points. Mais non. Là, regarde. Bingo, bingo, bingo. 23 et 7, 30. Voilà. 30 à 17. Aïe, 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 aïe. Maintenant. Je prends cher. Qu'est-ce qui m'intéresserait? Du rouge et du bleu. Repartir en positif alors.
Oui, il y a là, ça me fait du rouge et un joker. J'aurais 10 points. Et bon, ça me fait un 1000. Bon. Est-ce que je prends le risque? C'est bien. Ça me fait pas trop C'est avancer. vachement Ouais. bien. Parce que t'as de la marge. J'écoute pas tes conseils. Ok. Mais moi Bonjour, je. chacun pour soi. Ok. Moi je trouve que t'as de la marge. C'est un duel? Ouais, malheureusement. Je rigole. Alors, je vais prendre celle-là. Lire l'un des premiers romans au monde. Belle illustration. Belle illustration. Je vais donc avoir deux rouges et un W, un Willow of God. Et je vais avancer de 3 ou de 2. Coucou Jeannie. De 2. L'échappée de Oli, ouais. 1, 2. Oli fait très mal. Fait très très mal ce soir. Elle va se faire 10 1. points là. Et je fais 10 points. Wow. Je mets mon W ici. 40, 40 points. Je m'envole, je m'envole, je Ça m'envole. s'envole bien. Hein. Et c'est à toi. De dingue. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Un truc de dingue. Moi, je pense que je vais partir sur moins 194. Ouais. Ouais, je vais faire ça, je crois. Tu me fais avancer de 2? Un, deux. Un vert. Un jaune. Le vert, je le mets là. Le jaune, je le mets là. Ça me fait 4 points. 17 et 4, 21. Oh là là, je suis pas bien. Pas très bien. À toi. Mais après, oula, c'est des gros chiffres. Ça m'a fait avancer beaucoup dans le Non. temps. Ouais. Ça me ferait gagner deux bleus. C'est pas négligeable. Oula, un W. Mais ça me ferait gagner tout plein de points. Oh, t'as quand même le choix entre 1500, Ouais, mais 1500, ça me ferait pas gagner grand-chose. 1918, 1914. J'ai envie de partir. Je sais, c'est un peu loin. 1914, mais ça me ferait gagner beaucoup de points. Ah bah non, c'est pas bleu, mince. Du jaune. Dans ma tête, je voyais du bleu, je sais pas pourquoi. Donc là, ça me ferait gagner 3, 4, 5. Et celle-là? De quoi? Ça me ferait gagner 2. Du jaune et du vert. Vert, ça me ferait gagner. Le vert, t'as fini, mais du jaune, ça te ferait gagner deux. Ouais. Et ça te fait continuer ton voyage. Ça fait continuer le voyage, ouais. Donc du coup, c'est plus intéressant celle-là. Prends une carte ancêtre, Oli. Ou une carte ancêtre? De toute façon, j'ai fini mon voyage. Ah, tu veux dire pour me laisser le temps autant? J'ai hésité aussi, j'y ai pensé. Bah bon. Ah oui, c'est vrai qu'après on change de. On change de journée Ouais. avec d'autres cartes qui sont plus récentes. C'est vrai, j'oublie ce petit détail. Mais je crois que t'as raison. Qui c'est qui m'a dit ce conseil? C'est Ariash. Merci Arcache. Donc je vais prendre une carte ancêtre. Bonne idée. Bon, alors t'avances 2-3. Bon, ça te fait avancer 1-2. Ça te fait pas avoir le bonus de ponctualité, certes. Malheureusement, non. Mais ça te fait avoir quand même un jeton bonus. Je vais mettre là pour gagner 3 points. Oh, punaise. 43. Voilà. Ouais, c'est Ah, pas mal. C'est à une bonne moi? idée. Alors, j'ai quand même flippé à l'idée que tu prennes 1914 parce que c'est celle que je Ah, tu la voulais. voulais? Ah, c'est Ouais. pour ça qu'il m'a dit non pas. Ah, j'ai envie de le manger. Pourquoi? Parce que en fait, elle me Ah permettrait de non, j'aurais récupérer dû 10 regarder points. son plateau. Pourquoi j'ai pas regardé son plateau? Mais ça me fait faire un bond dans le temps de dingo. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai hésité aussi. Tu vois? Ça me fait faire un bond dans le temps de Purée de dingo. patates. Mais ça me ferait avoir du rouge, du bleu et un joker Ouais. pour avoir du jaune pour avoir 10 points. C'est la seule manière De rattraper les points. de rattraper un peu. Je me suis fait avoir. Est-ce que je fais ça? Ouais, je vais quand même le faire, Oli. Des fois, il faut regarder le plateau de l'eau. Ouais. Il est J'ai été fifou. Il naïve. est filou, pardon, il est filou. Ouais, je suis un Ouais. peu filou. Mais je la voulais, même si ça me fait faire un bond Oui, dans mais le temps. Oli, je pense que celle-là, ça serait bien pour toi. T'as fait comme ça. Vous êtes témoin. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est. Et j'ai été naïve, je dis, oh, il m'aide. En plus, j'ai fait ça en live devant plein de monde. Donc après, les gens, ils vont peut-être. Manipulateur. Moi-même. Bon, tu me fais avancer de 4. J'ai pas. Bon, T'as pas le bonus non plus. j'ai pas de bonus de ponctualité, mais j'ai du rouge, Deux bleus. deux bleus, j'en prends qu'un. Bah c'est fini, Parce bleu. que. Voilà. Et un W. Donc le bleu, le rouge. Et le bonus, je le mets sur le jaune pour avoir 10 points de plus.
Sinon, j'étais pas bien. 21, 31, je suis quand même pas bien. Hein. Je suis quand même pas bah bien. Bah non, là, c'est surtout pas que énorme. Hein. Surtout que j'ai un voyage là qui s'entame pas très bien. Mm. Et du coup, fin? Fin de cette deuxième journée de voyage? Oui. Allez. On remet la musique. Mm. Tu crois? Allez. Ça veut dire à choisir entre les deux. Aïe, 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 aïe. Là, il y a marqué quand même à la fin 18 points. C'est celle-là pour la faire à chaud patate. Incroyable. Hein. Allez. Du coup, je pense que je vais faire... Le troisième. Ça, elle paraît plus simple. Moi, je veux toujours le plus simple. Hein. Okay. Et l'autre est défaussé. L'autre, on ne s'en servira pas. Oui. La quatrième, choisis celle-là. On s'en sert pas. Okay. J'ai pas été trop gourmande au niveau des points. En plus, j'ai plus de cristaux, ça c'est la panique totale. Pareil, c'est pas si très bien. C'est énervant quand t'en as plus. Ok. Et c'est toi qui commence. Il me reste ces deux-là. Qu'est-ce que je fais? Oh là là. Ouais. Pas terrible. Pas terrible. Ouais, enfin. Je dis rien. 21 gigawatts, dis-je, Argache. C'est pas gigawatts, c'est gigawatts. Gigo? Giga. Ah, je sais plus. Mais maintenant, tu me fais douter. C'est gigawatts, je crois. Gigo? Non, giga. Ah, je sais plus. prends une carte ancêtre, Oli. Bah attends, c'est pas moi de jouer. Attends, je fais quoi? Oli, il a même pas choisi encore son plateau. Bon. Allez, c'est parti. Prends celui-là. Ok, c'est à toi, Willow. T'es en 1914. C'est pas très bien parce que... Est-ce que tu vas plus loin? Bah si, tu peux aller plus loin. 1955 mmh. ou 1989. Ouais. C'est plutôt cool. Boycotter les bus avec Rosa Parks. Mmh. Allons-y, on continue notre voyage en 1955. Allez. Tu me fais avancer de 3? Avance de 3. Bleu... Rouge, vert. Bleu, rouge, vert. Je fais couler. Alors, qu'est-ce qui m'intéresserait? Punaise. Ça m'énerve. Ça m'énerve de subir. Tu subis pas quand même. Je subis. Moi, je te dis, après, on peut être surpris après avec les points à côté là. La dernière fois, qui c'est qui a gagné d'ailleurs? La dernière fois, c'est moi. On en a fait 3. C'est moi. T'as gagné à chaque fois? Bah oui. Je crois qu'il a gagné à chaque fois. Hein. Les 3 parties qu'on a faites. Non mais là, ce soir, c'est elle est pour toi. Donc, ils ont bien voté. Ils ont bien voté. J'ai pas envie de prendre une carte en 7. Ou... Ah mais regarde, il a voté 1. Non mais 1. 1300. Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal pour toi là. Ça fait avancer que de 2. Ouais. Allez. En plus. 1330 pagayés sur un canot de guerre maori. Oh, Vaiana, non? Ouais. Le bleu du ciel n'est pas le bleu de la mer. Ce bleu que moi je préfère. En plus, la carte est bleue. De bleu? Sans vraiment savoir pourquoi. Oui, c'est... merci Willow. T'avances de 2 et tu rejoues. Et je gagne 2 points. Direct, c'est ça? Je pose dessus, je gagne 2 points? Oui. Okay. T'as 43, 45. Oh là là, c'est pas vrai. J'essaie de garder le sourire hein, pour... pour être sympathique en vidéo, tu vois, pour donner le sourire aux gens. T'as envie de me manger? Un petit peu. 1300, est-ce que nous partons pas trop loin quand même? Quelle chance ce soir quand même. C'est vrai. Hein, tout se passe très bien. C'est plutôt cool. Bon, en tout cas, c'est un jeu agréable. C'est l'essentiel. Mais j'ai de la chance ce soir, tu vois, je vais avoir encore de la chance comme ça. Est-ce que tu crois que je vais avoir une augmentation demain? Ça fait penser à Rabbi Jacob. Est-ce que tu crois que tu peux me doubler? Que tu peux me doubler? Il te dira oui. Il te dira oui. Tu triplé? Il te dira non. Bon,
Je m'éloigne. T'as pas avancé ton pion de 2. Ah oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Merci, Dianjis. Merci, Dianjis. Dianjis, j'avais presque oublié, c'est tout. C'est le temps, des fois, c'est... On se rend pas compte du temps. Serval, t'as tout à fait raison. Oli, quand elle joue, on a toujours l'impression qu'elle découvre le jeu, mais en fait, ça fait 3 jours qu'elle met au point une stratégie. Alors, donc, Serval, je te rassure, c'est vraiment la première partie de ta réponse. C'est comme si elle découvrait le jeu, Oli, même après plusieurs parties. Ouais, c'est souvent, on m'appelle Dory, j'oublie tout. J'oublie les choses facilement. Ah, donc, c'est un désavantage des fois. Non, c'est super parce que c'est je découvre les choses à chaque fois. Et ce qu'il y a de génial avec Oli, c'est que. Comment dire, je vais encore lui dire des gentilles choses. C'est. Comment dire. C'est. En fait, tu oui, vas-y, on t'écoute tous. Tu découvres le monde, en fait. Tous les jours pour toi, c'est presque ça, tu vois. Et c'est ce qui est beau. Et pourquoi. Les gens, ils t'aiment au travail, etc., machin, parce que t'es comme ça, tu vois, tu t'illumines parce que tu... C'est comme si tous les matins, tu dis, oh, je découvre ça, tu vois. Et en fait... c'est mon travail, mais il est super. et j'avoue que ça, c'est quand même génial. Et je pense que, c'est, ouais, que c'est quelque chose qui, que les gens n'auraient plus à voir. Moi, le premier. C'est la naïveté native. Eh ben, c'est très beau. Ouais, c'est très beau. Allez, joue qu'on en parle plus. Donc, du coup, je vais prendre... J'hésite entre... Alors, moi, il me faut du vert et beaucoup de rouge. Ça me ferait partir un peu loin, quand même. 1600, mais il n'y a pas d'autre... Ça va, tu fais un bond de 300 ans, ça va. Allez, 1610. Du vert et du... Apercevoir les lunes de Jupiter avec Galilée, quand même. Ah, quand même. Wow, alors j'ai bien fait de m'arrêter là. Wow. Tu avances de 2. J'oublie pas, j'avance de 2. Merci. Et je pose un vert et je pose un rouge. Bon, il va falloir, j'ai du jaune. Est-ce que je pars en 1989, c'est la seule date qui m'intéresserait? Ou est-ce que je prends... Ça me fait avoir du jaune, du vert. Du jaune, du vert, c'est intéressant tous les deux, pour moi. On va continuer comme ça. Le problème, c'est que j'aurais aimé avancer que d'un. Et ouais, c'est qu'on n'a plus tous les deux, on n'a plus de cristaux. J'ai pas de cristal temporel. Ouais, ça c'est gênant. Ça m'embête. Je vais quand même prendre ça. J'avance de 2, Oli. T'avances de 2? Ouais. Je prends donc du jaune. Du vert, ça me fait gagner 3 points. 1, 2, 3. Et j'ai dit 1989. Faire tomber le mur de Berlin. Et voilà. Très bien. Je vais pas pouvoir aller bien plus loin, j'ai l'impression. Parce que le jeu va... fin des années 1900, je crois. Ok. Ouais, t'as avancé vite, là. Tu vas faire une deuxième colonne, hein, c'est pas grave. Ouais, je crois bien que là... Alors... Là, je vais devoir faire un troisième voyage. Il y a Gengis. Non. Attends, je peux pas faire montrer la carte, c'est la carte du tout. Ah, c'est marqué Gengis Khan. Attends, je prends le temps. Attends, regarde pas. Chevaucher avec Gengis Khan. T'es là. Waouh. Oh là là, il est là. Il est là. Waouh, j'espère qu'il y a une carte avec mon prénom dedans. Partez à l'aventure, je ne sais où, avec Oli. Longue vie à Gengis, dit Goldust. Alors moi, je suis en 1610, je vais partir. Il me faut du rouge et du bleu, s'il vous plaît. Et oui, je suis parmi vous, dit Gengis. Mmh. Du rouge, c'est intéressant, ça, 1700. Je vais prendre. Ouais, faudrait que t'arrêtes ton voyage parce que t'as plus de place. Tu vois? Bah, c'est bien. Plus il est long, mieux c'est. Ouais, oui, je sais. Non. Je vais prendre 1752, Willow. Non, resserre tes cartes. Oui, d'accord. Tu peux. 1752, je gagne 2 rouges et j'avance de 2. Ok. 2 rouges et t'avances de 2. C'est tout. Et je gagne un cristal, s'il te plaît. Cristal temporel. Voilà, ici, là. Un convecteur temporel. Oui, ça fait du bien. 815 ans, Gengis quand même. Et respect, hein. Il dit Serval. Ah ouais. Là, ça me fait penser à un film que j'ai vu hier soir. Que des fois, le soir, quand Lidor, je me fais des films en 2D. C'était un film où ils étaient immortels, les combattants, sur Netflix. Comment ça s'appelait? All Guard. All Guard. Avec Charlize Theron.
Et il y en a qui étaient nés à l'époque de Genghis Khan, d'autres qui étaient nés dans... Ils ne mourraient pas, jusqu'à un certain moment. Ça me fait penser à ça. Et toi? Ah, mais non, mais là, je suis quand même fait couler, Ah, c'était pardon. chaud. Je me pose la carte de Genghis. Allez, yes. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je fais? Oh, faire du cerf-volant avec Benjamin Franklin. Allez, arrête, hein. Vous savez que j'aime bien le cerf-volant en plus. Très énervé, J'aime là. trop. J'en ai un en plus. Est-ce que je prends un... Sinon, j'attends de dire une. Est-ce que je repars sur un nouveau voyage ou est-ce que je prends une carte ancêtre? Ma question, c'est celle-ci. Synopsis de Willow, dit Serval, ils mourraient pas jusqu'à leur mort. Mais c'est exactement, c'est ça le film en fait, ils revivent tout le temps, sauf qu'à un moment donné, ils revivent plus. Ils savent pas quand ça arrive. Non, C'est comme les vampires un peu. ils sont immortels, ils prennent des balles, tout ça, et mais à un moment donné, leur heure est venue, pour tout le monde c'est différent, et à un moment donné, ils guérissent plus. Donc ils sont moyennement immortels, mais il y Ouais, en a qui ont d'accord. vécu des milliers d'années quand même. C'est, il m'a Il était fait bien ton film? moyen. Donc on vous conseille ou pas, je ne sais pas, faites votre choix. Était moyen. Alors, je pars sur quoi? Moins 70 pour un nouveau voyage. Ah, c'est la dernière Ah, c'est le dernier. c'est la dernière saison C'est là. le dernier jour de voyage, dernière saison pour moi. Dernier voyage, après on se pose, hein. Où est-ce que je me fais une carte ancêtre qui va pas être géniale, géniale non plus? Écoute, j'attaque un nouveau voyage, c'est pas Ok, c'est grave. parti pour Je un nouveau voyage. suis un dingo. Après, tu peux Tu me fais cumuler. avancer de 2, s'il te plaît, je vais faire moins 70. 1, 2. C'est pas très bien d'avoir fait ça. Je prends un Ah jaune bon, un jaune et un bleu. et un bleu. Le jaune va me faire gagner un cristal temporel. Et puis advienne que pourra, hein. J'ai pas fait une bonne partie. J'ai pas fait une bonne partie, qu'est-ce que Alors, je te dise? moi, il me faudrait. Il me faut pas mal de choses. Hein. Deux bleus, ça serait pas C'est mal. quoi le côté négatif de refaire un voyage d'Irgash? Ben c'est Ah, simple, ici. plus tu fais des voyages, plus tu fais des petits voyages, et moins ça te fait de points en fin de partie. Moins t'en fais, plus tu vas faire un voyage long, et plus tu vas faire des points, quoi, tout simplement. Sachant que là, on est bientôt à la fin de la troisième journée. Si je fais un voyage qui fait 2-3 cartes, c'est nul en termes de points. Tu vois? Donc c'est ça. J'aurais bien aimé faire que 2 voyages. Et bien bien faire des points. Là, Oli, elle va finir sa troisième journée. À mon avis, elle va pas rattaquer de Je nouveaux vais prendre la voyages. carte 1869. Ouais. Elle est très bien là. Je vais avancer de 2 à Ok. la place de 3. Et je vais gagner un cristal, un rouge et un bleu. Alors bon, comme tu peux pas continuer ton voyage là, mets-le à côté, on sait que c'est ton voyage. Non, mais Ah si tu continues? si, je Même si continue. ça dépasse la table en bas. Oh oui, on le voit. Si ça Non dépasse. mais Non, on je vais voit. resserrer après l'eau Ouais, plutôt. on voit encore bien On voit donc. bien. Punaise. Là, Oli, d'une part elle est devant au niveau des points, et de deux, son deuxième voyage est super super lucratif, j'allais dire, en termes de Ah ouais, points. moi je prends le temps de m'arrêter, tu vois. Ah, oh, mais qu'est-ce qui vient d'arriver? Me 1990? fait peur. Excuse-moi. Juste après mon 1989, j'aurais pu continuer mon voyage. Ben oui, mais t'as pas pris le. On t'a conseillé ancêtre, t'as pas voulu. Je vais juste décaler du coup un peu plus serré. Ça m'énerve, hein. Je serre comme ça, monsieur. Non, c'est embêtant. Non, c'est pas embêtant. Après, mon truc, laisse quand même Les derniers? les dernières dates. Ok. Allez, tant que tu réfléchisses, je place. Il me faut du bleu, il me faut du rouge. Et là, je ferai un gros bond dans le temps quand Ok. même. Avec le 1901 quand même, je ferai un trop trop gros bond dans le temps. Il me faut ça. Eh oui, mais alors, qu'est-ce que tu fais? J'hésite. Je ne m'agresse pas. Pas du tout. J'avance 2, 2, 3. Allez, je vais en 1901. Je suis dingo. Moins 70, 1901. Rouge, bleu. Bleu.
Rouge. J'ai 6 points. Ah, 6 points. Oh, je vais aller loin. 34 et 6, 40. 40 à 45. Je suis pas bien. Ouh, mais ça se rapproche, hein. Non, mais... C'est pour ça qu'il faut jamais crier victoire. Non, mais même, je te dis, mon dernier voyage va rien rapporter. Attends, Donc. attends, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah! 30 points. Eh bien oui, mais après, ça compte pas terrible. Non, mais après chaque carte supplémentaire, c'est 3 points. Donc, Ah, ok. quoi qu'il en soit, là, tu as fait le voyage ultime. Parfait. J'ai jamais fait Non, 10, c'est pas vrai. j'ai jamais Oui, c'est fait, vrai, tu l'as j'ai jamais jamais fait 10 fait. cartes, hein. Je crois que le plus gros voyage que j'ai fait, c'est 8. Du coup, est-ce que j'ai avancé, Non, Willow? Non, 9. je crois pas. T'es pas avancé, non. T'as avancé de combien? Pardon? 3? Moi, j'avais pris 3, ouais. 3, t'as pas de. Tu n'utilises pas de. Non, parce que je l'ai récupéré. Attends. Non, je le gardais. Ok. Je me rappelle plus si tu l'avais ou pas. Alors, Oli. Yes. 1869. Du coup, peut-être 1925. T'en penses, Will? Oh, bon. Ouais, ça me paraît J'ai bien. décidé de plus parler, j'étais Tu me trop parles bien. plus? Ah ouais, être bien énervé. Allez, 1925, je gagne 2 bleus et je vais avancer de 2. 1, 2. Donc ça fait 3 points supplémentaires, c'est ça? Quand tu dépasses les 11. Je gagne un 3 points. Après, ça va être difficile, il me faudrait 3 jaunes et un vert. Charal. C'est pas vrai ça. J'ai fait n'importe quoi. J'ai attaqué un troisième voyage pour rien, j'ai Ah l'impression. si, ça serait intéressant, j'aurais... Oui. Ah ben... C'est trop dur à faire ça. Tu C'est dur, rejoues? dur. Ouais. Attends, je réfléchis quand même. Tu m'énerves, hein? Il faut un jaune, un vert. Ah, ça là m'intéresse. Ah bah non, c'est pas, je peux pas. Ou je recommencerai un Bah voyage. oui, t'as fait un voyage Oui. ultime là. Ouais, je peux recommencer un voyage. Si. Ah bah non. Est-ce qu'il faut que j'ai ça pour avoir ça? Bien entendu. Ah mince. T'es Ne sûr? refais pas les règles, s'il te plaît. Ah oui, il faut C'est commencer déjà au bien. plus Bien haut. T'es entendu. sûr de toi là? Ça m'énerve en Donc plus en quand. fait, il faudrait Ça du m'énerve en bleu. plus quand elle me dit t'es sûr de toi. T'es sûr, Willow? Je vais Oh. avancer 1990. Ah, je peux même continuer. 1990. On est d'accord? T'as envie de t'énerver. Ouais, j'ai envie de m'énerver là, franchement. 1990, j'avance de 1. En plus, j'avance pas vite, c'est cool. Je gagne un jaune, un bleu. Le bleu me fait gagner 4 points. Ah ouais, carrément. 52. Et je continue ma petite C'est quiz. pas possible. J'ai une fin de tour et c'est à toi, Willow. Oh. J'ai pris mettre à jour le T-Rex. Combien Sous. de sous? Le premier T-Rex, ils ont fait. Je suis pas au courant, mais. Bon. À toi. C'est pas bien du tout. Un, deux, trois. En plus, je peux pas continuer mon voyage. Il n'y a rien qui est intéressant. Je vais finir mon voyage avec un ancêtre et ça sera bien nul. Tu me fais avancer de trois. Bon, ça me fait arriver même pas sur le bonus Ouais, de c'était ponctualité. 2. Donc tu gagnes pas les 3 points. Non. Et je prends un juste ton bonus qui me fait juste gagner 3 points. 43. Et on va vite oublier cette partie, à mon avis. Ben non, elle sera sur les réseaux sociaux. Ah ouais, c'est Elle vrai. sera sur YouTube. Donc on refait le petit slogan. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire à ces vidéos sur YouTube. Ça soutient les créateurs de contenu. Et la main sur le cœur. Merci. Allez, finissons-en. 1990, eh ben écoute, il n'y a plus rien qui m'intéresse. Ah, ça fait. Moi, il me faudrait 3 jaunes et Et un vert. pourquoi trois jaunes? Parce que tu m'as dit si je veux avoir les 10 points. Ah non, 2 jaunes, un vert. Voilà. Est-ce qu'il y aurait 2 jaunes, un vert quelque part? Il y a 2 verts, un jaune. Ouais, là, c'est Dommage. dommage, hein. Dommage, Il ne faut pas dommage. vouloir le beurre et l'argent du beurre, quand Je peux pas finir un truc sympa. même, Je voudrais plusieurs W, plusieurs jokers. Est-ce que les cristaux, ça compte des points à la fin? Oui, alors Joanie qui nous pose une petite question, je fais une Oui. petite parenthèse, est-ce que le trekking Through the World sur Kickstarter a un rapport avec ce jeu? Oui, Joanie, en fait, je l'expliquais en début de vidéo quand tu n'étais pas encore arrivé, que
Quand on a récupéré ce jeu avec Oli, il a distribué par Asmodée en France, je me suis quand même un petit peu renseigné pour savoir d'où il sortait. Bon, c'était un Kickstarter à l'origine, en anglais, et qui est arrivé après en français, donc cette année. Mais aux États-Unis, c'est une série de jeux. Il y a Trekking Through le Parc National, Trekking Through the World. Il y a plusieurs jeux dans cette catégorie, dans cette, dans, avec le mot Trekking au départ. Et là, le nouveau Kickstarter, Trekking Through the World, la suite, je crois, le 2 ou la nouvelle version, eh ben, ça, il s'inscrit dans la lignée de ce jeu Trekking Through the World, Trekking Through the History, pardon. Donc oui, la réponse, tout ça pour dire que oui, Joanie, ça fait partie de cette gamme de jeux par Underdog Games aux États-Unis, avec différentes cartes et différentes, j'allais dire, le world, donc le monde, c'est sur le monde, les parcs nationaux, c'est sur les parcs nationaux. Là, on est à travers l'histoire. Ok, merci pour ces renseignements. Avec plaisir. Donc du coup, je vais commencer une nouvelle qui ne va pas me coûter 2 points. Partir à la chasse aux fossiles avec Mary Hemming. Et je referme la parenthèse pour Joanie, toujours. Le jeu qui est en Kickstarter actuellement, j'aurais bien aimé l'avoir parce que les cartes de Trekking Through the World à travers le monde me plaisent beaucoup et le jeu me plairait à jouer. C'est le même principe, sauf que là, ça va être... J'aurais bien aimé... Mais bon, c'est en anglais, donc on attendra de voir si on en a d'autres en français. Juste, ma question, pardon, pardon Joanie, ouais. Ma question que je t'avais posée avant, tu parles, c'est, ça coûte combien les cristaux en points? 1 point. Ah, c'est tout? Et c'est déjà pas mal. 1 point, bon. un cristal, 1 point. Attends, du coup, alors, je sais pas si je fais ça, c'est pas intéressant. Ouais, pénible. Bah ouais, c'est pas de ma faute. Alors, attends. Salut Bugs, salut les deux potes. Bugs, on a bientôt fini. J'ai bientôt perdu. Je sais pas, je vais prendre le temps de choisir ma dernière carte exprès comme Willow. Allez, c'est bon là. Je prends. Allez. Non. Mais voyons voir. Ben oui, ça te fait 1 point, ça, hein, à la fin de la partie. Un point. Et en mais plus, toi. Là, je vais avoir 3 points, tiens. 1, 2. Ah oui, je prends ça là. Allez, 1455. De toute façon, ça me vaut 0 après. Imprimé avec Gutenberg. Une carte dans un voyage temporel, c'est moins 3 points. Mais attends, t'es en avance, à mon avis. Ah non, je veux pas à moins 3. Tu veux pas à moins 3? Allez. Oh bah bon, de toute façon, je les gagne ici, je vais les perdre. Oh là, ça me fait trop mal au cœur. Ça te fait mal au cœur? J'ai pas le choix. Un jaune et deux verts. Tu peux terminer par un ancêtre. Ça te fait rien perdre. Ah oui? Ouais. Et ça te fait continuer ton voyage. Je dis ça, je dis rien. Oh, mais tu m'aides? Ouais, je t'aide, en plus. C'est ça, l'amour. Il a raison? Il a raison, je crois. Bien sûr que j'ai raison. Merci, Willow. Donc... Tu avances de 3. Bon, j'en suis. Tu avances de 3. Tu gagnes pas le bonus. Je gagne pas le bonus. De ponctualité. Par je contre, continue là. Tu continues je ton gagne voyage. Pas de points. Ça te fait 3 points de plus, parce que ça te fait une carte supplémentaire. Oui, mais par contre, je gagne rien. Et tu gagnes si, un cristal temporel. Avec ok. Merci, Will. Je commence à fatiguer. Un cristal, c'est 1 point. Tu sais pourquoi je suis gentil avec toi? Parce que je sais que tu as été en formation toute la journée et que tu perfules plus trop à 22h22. À quoi on joue déjà? À Trick and True History. Pardon. Fin de cette 3e journée de voyage. On termine. Ça m'a valu, ouais, j'entends ça. En comptant les points, mais. Quelle apothéose! Tatapam, tatatam! Comme j'aime! Bon, allez, écoutez, ce soir c'est pour Oli, vous avez été 60% à voter pour elle, c'est normal. On en est actuellement à 52-43. On va finalement compter les points restants. Il reste combien de points à rajouter? Ben, les points de nos voyages. En commençant par Oli qui a commencé cette partie, tu as fait un premier voyage à combien de cartes? Le premier là? Donc je compte, 1, 2, 3, 4. 5 cartes, 7 points. Donc tu as 52 et 7, 59. Là, ne touche pas à tes cartes, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes. 13. C'est incroyable, on n'a jamais fait ça. 10 cartes, c'est 30 points. Donc on va déjà te mettre 30 points. Donc 59 et 30, 89.
Oh, wow. T'as 3 cartes de plus. Chaque carte supplémentaire, c'est 3 points. 3 fois 3, 9. 9. 89 et 9. 98. On n'a jamais atteint 100 points, Oli. Ouais, jamais. Oh, c'est dommage. Tu as 2 cristaux temporels. Ah ouais. 100 points. Non de Zeus. Il faut que je sois fatigué pour gagner. Mais c'est incroyable. Bon, mon premier voyage a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Bah, je dis j'ai gagné. Donc. Ça fait 18 points. Ok. 43 et 20, ça fait 63, moins 2, 61. Deuxième voyage, Willow, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cartes, 7 points, c'est nul. 61 et 7, 68. Troisième voyage, 3 cartes, 2 points. 60, je finis à 70. 60, 71, pardon, j'ai un cristal temporel. Oui. 71, Oli, Willow. 100, Oli. Ça mérite ta musique. Oh, punaise, c'est pas possible. La musique se retourne à la future, Willow. Mais quelle partie, Oli, incroyable! Empochez vos gains! Empochez vos gains! Merci! Merci! Merci, merci Enzmae de faire empocher les gains à tous ceux qui ont voté pour Oli. Franchement, vous avez eu du nez ce soir parce que là, je me suis vraiment fait laminer à tel point que. Ben, j'ai un peu honte, hein. 71 à 100. Waouh! Ça, voilà. 71. Ça arrive des fois que je gagne. Vous voyez. Punaise. Ça fait. Bon ben voilà, Streaking Through the Story, c'était très bien. C'était voilà. Très bien, encore une fois. On est sur un jeu, à mon avis, qu'on va pouvoir présenter assez facilement à des gens qui ne jouent pas. Tout comme dernièrement le Middle Ages qu'on a beaucoup aimé. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Ça partait combien de joueurs? C'est un 1 à 4. 4, j'ai hâte de le tester à 4 aussi. Et un mode solo. Donc, et il y a un mode solo. On peut jouer en solo et on peut jouer jusqu'à 4. Donc voilà. Moi, si vous voulez mon avis, le plaisir du plaisir du plaisir du plaisir du plaisir. Mais comment je le kiffe ce jeu. Ouais. Pas parce que j'ai gagné, mais c'est un réel plaisir de jouer à ce jeu. Mmh. Parce que quand on a du plaisir, et ben du coup ça procure du plaisir. Et du coup on a du plaisir de jouer à ce jeu. Donc si vous jouez, vous prendrez du plaisir. J'avais envie de dire plein de fois plaisir. Ah ouais, c'est incroyable, c'est un cercle vertueux quoi. Ouais. Un truc de dingue. Bon, en tout cas, on va dire au revoir à YouTube. C'est terminé pour YouTube pour cette vidéo. En tout cas, moi, on a beaucoup apprécié ce Trekking Forest Story. Merci à Asmodée de nous le localiser en France. Oui, merci. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire que ben, bravo Oli aussi sur cette partie. Qu'est-ce que tu as à dire, toi? C'était un plaisir, du plaisir, du plaisir, du plaisir. Rejoignez-nous sur Twitch pour passer des soirées comme celle-ci ensemble. Parce que ben, après la fin des vidéos YouTube, nous, on discute toujours un petit peu avec ceux qui sont là. Donc, c'est toujours très agréable. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à cette vidéo. C'est Oli qui le dit. Ah non, non, j'étais en train de savourer ma victoire. Donc, n'hésitez pas. Je vais vous le dire quand même. Parce que c'est super important. Mais franchement, vous oubliez de le faire. Je ne sais pas pourquoi mettre le pouce et le commentaire qui fait direct chaud au cœur. Et en même temps, mettre les vidéos un peu plus haut sur YouTube pour soutenir les créateurs de contenu. Et aussi penser à notre Tipeee. Parce que chaque mois, il y a des cadeaux pour vous. Donc voilà. Donc de penser à vos créateurs de contenu qui peut-être un jour partiront. Eh oui. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait... Oui. Dans le futur. En attendant, n'oubliez pas une chose très importante. N'oubliez pas de jouer parce que jouer, c'est partager. On compte sur vous.